changé la génétique ça fera 4 ans, donc en 2014, quoi. On a commencé en février 2014, les premières cochettes qui se sont intégrées, puis on a intégré 5 cochettes par bande et puis jusqu'à la temps que toutes les bandes sont renouvelées. Donc ça fait à peu près 2 ans aujourd'hui, un an et demi, 2 ans, qu'on est à 100% Danbred, quoi. Au niveau performance, on a vu tout de suite que c'était plus que les autres, quoi. Donc déjà moins un porcelet de sevré facile par bande, par truie à chaque sevrage, quoi. Plus ça va, plus on progresse toujours depuis qu'on est à 100% quoi, en Danbred. Et puis on s'est adapté un petit peu avec cette conduite de truie aussi qui est différente des autres un petit peu, quoi. Donc le surplus des porcelets, il faut les gérer. Donc ça, on essaye toujours de trouver des solutions pour en garder au maximum, quoi. Sur l'exploitation, nous avons choisi de faire l'aliment à la ferme. Donc c'est une passion depuis toujours, de toute façon. Donc les céréales sèches sont stockées en cellules à la récolte et le maïs en silo tour inerté. Donc une fois que normalement à peu près le stockage pour l'année, quoi, de toutes ces céréales-là. Ensuite, il est fait des contrôles d'analyse de céréales à chaque récolte, de chaque céréale. Et après, courant dans l'année, on fait régulièrement, peut-être même une fois par mois ou deux, ou tous les deux mois, des analyses sur les aliments finis, quoi, pour avoir toujours la formule la plus équilibrée possible en permanence. Voilà. Pour cette génétique-là, surtout en truie, il faut... Il faut un aliment de haute gamme quand même, parce qu'on vu la productivité, il faut quelque chose qui tienne bien la route quand même. Pour suivre le suivi de l'état des fruits, il a été fait on les fait régulièrement des contrôles d'épaisseur dorsale, donc de l'art, pour bien suivre la ration suivant les périodes de l'année, quoi, donc les périodes chaudes. Et, pour essayer d'avoir des truies quand même assez bien en état tout le temps, parce que vu le nombre de sevrés, il faut suivre ça de près quand même, quoi. L'hyperprolificité nous a conduit à avoir des porcelets légèrement plus petits, quoi, donc plus hétérogènes un petit peu aussi. Donc, et là, c'est vrai que pour ça qu'on avait mis le programme Nutritech, et depuis qu'on fait ce programme-là, donc on a un poids de sevrage un petit peu plus élevé qu'avant, et des porcelets beaucoup plus vigoureux et plus réguliers à la naissance, quoi, en fin de compte. Donc avec l'augmentation de productivité sous la mer, il faut être très vigilant sur l'alimentation des porcelets, essayer de les faire manger le plus vite possible, quoi, en fin de compte. Donc dès au bout de 3 jours, 3-4 jours, il faut leur mettre des augettes avec un tout petit peu d'aliments. Et quelquefois même on prépare des petites bouillies pour arriver à ceux qui ont du mal. Et depuis qu'on fait ça aussi, on a augmenté, ça a augmenté le poids de sevrage, quoi. Ça les fait manger. Il faut qu'ils mangent le plus vite possible, quoi, pour compenser le nombre sous la mer. Donc comme la quantité de lait n'est pas forcément suffisante, donc il faut les faire manger au maximum, quoi. Quand on a créé le poste sevrage en 2014, on a installé une bascule dans le couloir. Ça nous a permis de faire des pesées de porcelets qu'on ne faisait pas systématiquement avant, donc au sevrage et après à la mise en engraissement, quoi. Donc en post-sevrage aujourd'hui depuis 4 ans aussi, donc on n'utilise aucun aliment supplémenté, même en premier âge, en maternité, donc comme on le fabrique, c'est pareil, c'est le même, c'est de l'aliment blanc tout le temps, sans produits médicamenteux. Et en post-sevrage, pour pallier des fois quelques petits soucis, on met de l'acide dans l'eau, quoi, donc avec une pompe sur le circuit d'eau. L'acide utilisé, c'est le Vitacide, il s'incorpore en continu dans l'eau de boisson.